qui attaque cette série. Alors, grosse pression dans ce genre d'exercice, évidemment. Bravo. Je vais tirer 5 points pour Michel Martinez. Alors, on a décidé. Alors, la composition des tireurs, hein, c'est important parce que, en général, on laisse. Alors, il faut des tireurs qui tapent des boules au départ pour bien commencer la série, évidemment. Oui. Pas se faire larguer. Mais par contre, hein, il faut essayer de garder le dernier tireur costaud, on peut dire, parce qu'il peut se retrouver avec la boule capitale. Brian Sorel. Bien. 3 points. Et Mathieu. Mathieu Gasparini sera le deuxième tireur messin. Et quelque chose m'a dit que c'est Fred Vachnik qui va tirer en dernier pour Metz. C'est vrai, vous insistez à chaque fois sur le dernier tireur. Ah, c'est important parce qu'il peut se retrouver avec la boule. Celle qui pèse environ 1,5 tonnes. 9,50 m. C'est déjà de la belle boule, là. Ouais. Bien tiré. 3 points. Bien. Alors, pour Toulouse, Rocky Radkeber. Donc après, il restera Polo Forel qui pointe ou Diego Ivanovic qui pointe aussi. Donc ils ont décidé de faire des points de suite. Ils envoient les tireurs directs. Bravo. Bien tiré. Ouais. Alors, Fred Vachnik. Fred. Oh, donc personne qui a envisagé que cette série elle pourrait se jouer à la dernière boule, je pense alors. Ou alors tout le monde fait de l'intox. Bien tiré, monsieur Tocco. Et la fois de Mechnik, il doit se dire, ouf, à 6 mètres, c'est fait. Il y a pas d'aller sur vrai, les cordes. C'est vrai. Alors, on a entendu Marc-Alexandre rappeler Diego Ivanovic. Le jeune joueur de moins de 22 ans. Là, c'est vrai que personne n'a le droit d'aller récupérer. C'est à la fin de la série qu'on va récupérer les boules. Il y a la touriste. C'est mignon. Florian Martinez. Ouais. Et c'est pas facile pour les jeunes parce qu'ils n'ont pas joué. Ah non, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile parce que voilà, c'est une pression. Et en plus, comme ils n'ont pas mis les pieds sur le terrain, sur la partie. Ça, c'est sûr que c'est pas facile du tout. Nous sommes bien d'accord. Et pour l'instant, aucun échec. Hein. Mm-hmm. Allez, un petit carreau pour égaliser pour Paul Forel. Ce sera une belle, bien belle série. Allez, gros. C'est rien, Polo. C'est manqué. Bravo, Jean-Luc. Personne n'a manqué. Juste avant que le forêt tire. Bravo. Le chien noir de service a encore frappé. Vous savez bien que c'est la règle en télévision. Dès qu'on dit un truc de bien.
sur un joueur. Camille Max. Allez, locomotive. Tire-nous encore vers l'avant. Allez. On est à 7 mètres. Allez, on recule d'un mètre. Dans le rond à 7 mètres, mais qui n'est pas vraiment 7 mètres, hein, Jean-Luc. On le dira jamais assez. C'est exact. C'est le bord à bord des ronds. Bravo, Michel. Bonhomme. Bien tiré. Super. Ils font la course en tête là, hein, les messins. Bon, 17 à 9, mine de rien. Alors, évidemment, il n'a pas tiré un Brian Forel, mais... Un peu de pression sur les Toulousains. Bien, Brian. Bien tiré. Ouais. Elle continue à se faire avancer, là. Un carreau d'écart. Allez, Mathieu. Allez, Matt. Mathieu Gasparini. Bravo, Mathieu. Ouais, super, bien tiré. Ouais. Je suis trois quarts de boule. Je suis devant, comme ça. Oh, tire dans la roue. Là, je voulais assurer. Ça fait trois. Un manqué. Et toujours pas d'échec, hein, pour les blancs de Metz. Ah, mon frère, pousse-la encore. Et un Marocain. Bien, Bien, mon frère, d'accord. Allez, tapez, c'est bien. Allez. Toujours 5 points d'avance pour Metz. Alors, remets-la, remets-la. Silence de cathédrale. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Tous ces gens n'ont pas un bruit. Bravo, frère. Et KO. 5 points. Wow. Je suis pas le Martinez, je suis pas le carrossel. Je suis des demi-cercles. Tu regardes un peu, décale-toi. La pression monte sur les épaules du forcément. Forcément. Et on court après le score. Ouais. Non, mais là. Il repousse là. Ouais. Allez, Diego. Un petit peu. Allez, Diego. Allez, frère. Diego Ivanovic. À 7 mètres. Bravo! Et repartez chercher ce sabou, moi. Bravo. Ah ouais, ça c'est fort. Quel frimeur. Tout ça pour faire des carreaux à la télé. Quoi. Et avance. Alors, ça c'est quand même extraordinaire ce qu'il vient de faire, ce Diego Ivanovic là. Déjà, quand on l'avait suivi,
était épatant. Oui, mais non, c'était très très bien. Il avait frappé une paire par-ci par-là, mais là, cet exercice est quand même particulièrement compliqué. Et là, alors qu'ils sont très très mal menés, si c'est lui qui va faire un petit carreau qui les ramène. Pour son équipe. Il a dû ressortir. Frère Martinez a manqué. Tranquille. Pousse-la encore ça, le polo. Tu l'as poussé bien, mon gros. Allez, Paul Forel. Là. Tout est relancé. Un carreau de Diego Ivanovic et un coup dans l'eau de Florian Martinez. Et alors qu'on pensait que Metz avait fait un petit break, voilà. Vite comblé. On se retrouve à 2 points. Ça reprend. Michel Martinez va lancer la série à 8 mètres. Michel, hein. Bon, bien fait. Bien tiré. Oui, oui, oui. Très bien tiré, Michel Martinez. Allez, le gros. Il a peu le gros. Brian Forel. Et voilà. À la gagne. 3 points, c'est bien déjà. Il devait y voir un peu mieux. Mais on s'est rassuré à 28 à 26. Allez, Mathieu Gasparini. 2 sur 2 pour l'instant. Allez, Mathieu. Allez, à toi. Bravo Mathieu. Voilà. Bravo. 3 sur 3. Pour Mathieu Gasparini, le pointeur de cette formation. À la gauche, sur ta gauche, oui. Rocky Rodkeber va se présenter. Ah, on kiffe l'effort encore. On pensait que je te dis que... Allez, frère. Pousse celle-là. Bravo, Rocky. Bien. 3 points de plus dans la musette toulousaine. Allez, continue à nous faire avancer. Allez, là. Frédéric Kachnik. Alors, bien. Nico, pas de tir. Et a tiré deux. Pour l'instant, Fred Machnik, une frappée, un carreau.
Bien. Wow, on assiste à une belle série quand même. Hein. Il y a du gros score là. Mais. Ah ouais. Oui, je me rappelle avoir vu des séries où on n'entendait pas autant de bruit. Pourtant, c'est pas vous qui tiriez. Et pourtant. C'est quand même une place en finale hein, dans ce trophée des villes. Ah, oui. Allez, on va le rappeler. Allez, petit frère. Allez, Diego Ivanovic. Allez, Diego encore. Il reste lui aussi. Allez, frère. 8 points de boule, on a frappé un carreau. Pareil. Bien, touché. Un peu court, là, vous n'êtes pas sorti du cercle. Un c'est point. Pas rien. C'est un point. C'est pas rien. Tu verras. Ah, sur 20, en plus, elle est pas mal tirée du tout. Hein. Et dans les 50, dans un terrain un peu normal, elle est frappée. Tu la sors, tu fais du boulot. Regarde-la bien. Florian Martinez. Là, on va vite savoir. Ah non, on saura plus, parce qu'il en était en plein dans l'axe. Bien, bien bon, bon. Tiré. Bien c'est frappé. Bien tiré. Et Metz qui continue à faire la course en tête et qui ne craque pas. Elle est tirée à peu près comme celle de Diego Ivanovic, à peu près au même endroit. Et une qui a fusé un peu plus que l'autre. Allez, Polo Forel. Pas loin. Bravo, bien. Bien tiré. Voilà, on va attaquer la dernière série avec 4 points d'écart. Hein, donc une boule, un carreau. Everything is possible, my dear. Ouais. Et si ça se jouait justement au dernier tireur, là ça pourrait. Hein. Et un peu d'écart, ça pourrait. Le suspense est à son comble. Michel Martinez, lui c'est 11 points qu'il a rapporté à son équipe pour l'instant. Un carreau et 2 frappes. C'est pas grave. Allez, l'occasion pour Toulouse de recoller un peu. Allez, petit taureau. Allez, mon poulette. Petit taureau. Vous frappez, c'est bien. Allez, Brian. Brian Forel. Allez. Oh, c'est de la boule. Bien droit, c'est bien. Bravo. Bien. Allez, vieux. Un point d'écart entre les deux équipes. Allez, Marc. Allez. Ça va être bien tiré, celle-ci encore. Alors, Mathieu Gasparini, 9 points. 3 sur 3 pour le pointeur. Allez, Marc. Après, c'est des distances pour les pointeurs. Ça commence à devenir un peu compliqué. Surtout pour les vieux hein, pointeurs. Mais bon, lui, il est jeune. Il est jeune. Oui. Ah, il court. Il est court. Et l'occasion pour Toulouse de passer devant, peut-être bien pour la première fois de cette série de mémoire. Oui, oui. C'est exactement ça, Jean-Luc. Ah non, frère, fais l'effort. Pas loin, mais sur Rocky Rat Kéber. Allez, passe. 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 Allez
Alors, allez Fred. Grosse pression qui s'installe évidemment. Ouais. On est devant, on est devant. Frédéric Machnik. Fais-le. Allez, c'est pas grave. Ah, dans les tribunes, il y a eu un petit bruit en plus. Pas évident là, à ce moment-là, c'est pas malin ça. Bien oh, fait, super. C'est bien fait. Le noyau court. Ah, il a mordu. Oh, il a mordu. Ah, exactement. Il a mordu la bordure. C'est affreux là, regardez, frère, là, ouais, là, qui regarde la personne là, qui a fait du bruit là. On y vient dans le cas de figure. C'est scandaleux. On y vient dans le cas de figure. Qu'est-ce que c'est que scandaleux? Ben, la personne là qui, ah, oui, oui, qui arrivait à faire du bruit. Ça, évidemment, non, mais ça, c'est honteux. Je leur donnerai une chance à faire l'acheter. Maintenant, on sait bien que c'est comme ça, voilà, il n'y a pas rien. Hein. Voilà, et quelle honte. Ouais, là, le cas de figure, il est là, parce que là, si le petit Diego, il frappe la boule, eh bien, c'est Florian Martinez qui va se retrouver avec manqué perdu. Le chaos extraordinaire, ce que vient de faire Diego Ivanovic. Du haut de ses, enfin, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais de ses moins de 22 ans. 22, hein. Incroyable, incroyable. Bravo. Allez, Flo. Chapeau bas. Il l'a fait patiner. Incroyable. Allez, c'est pas fini. Allez, voilà, et là, on laisse toutes les responsabilités. Parce que là, quand même, s'il ne fait pas un carreau. S'il fait pas le carreau, il a perdu, quoi, je veux dire. Donc là, c'est compliqué. Très compliqué. Ah, ça s'est bien tiré, 3 points. Et c'est fait. La victoire de Toulouse, au bout du suspense.